Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait le ménage sur mon PC. Je vais vous montrer tous les rushs que j'ai conservés depuis la fin de l'année 2020. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer comment j'ai installé une alarme pour moins de 100€ sur mon Softail. Ah oui, c'est limité à 30. Chacun trouve son plaisir où il veut. Voilà, merci monsieur. Il était au téléphone, le gars. Il était au téléphone, voilà, donc il me regardait pas. Ah là 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 là. Toujours être vigilant sur la route, hein, c'est clair. Eh ben, on a fait marcher l'ABS. Alors moi, c'était un bon test. Hein. Eh ben, ça freine. Hein. Qui dit que ça freine pas, les Davidson et... Un ami scooter vlogueur avec sa GoPro sur le casque. Goldwing des familles. Ah, ça c'est le kiff aussi, ces motos là quand même. Je crois que la demoiselle a envie de passer devant moi. Énorme, le gars de tout à l'heure. J'adore, on s'est
On roulait ensemble tout à l'heure, il a dû prendre un autre chemin, on se retrouve face à face quoi. c'est drôle. Je sens qu'en plus du coup, je vais être sur une de ses vidéos YouTube à tous les coups. Ah, ça va être drôle, il va falloir que je le cherche. Voilà, la moto, vous commencez à bien la connaître. Mais vous pouvez noter que ici, j'ai un petit équipement là qui n'est pas présent d'origine. Qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, c'est un bloc disque. Un bloc disque avec alarme intégrée. Alors, ça fonctionne comment? Eh bien, c'est un bloc disque. Hein. Donc, effectivement, j'insère la clé. Voilà. J'ai donc installé une petite patte, comme vous pouvez le constater, ici. Sur cette vis de fixation, la vis de fixation du carter de courroie. Donc cette petite patte là, je peux y insérer donc mon bloc disque. Voilà. Une main, c'est pas évident. Et voilà. Donc ce qui me permet d'emmener mon bloc disque partout où je vais, sans être obligé de l'avoir dans un sac ou sur moi même. Voilà, parce que c'est quand même assez lourd, pas très agréable à porter. Voilà, donc j'ai pris un bloc disque de la marque Urban. C'est un classe SRA, donc il est agréé hein, par rapport à mon assurance. Et il a cette fonction en plus qu'il a une alarme en fait qui est intégrée. Donc, c'est une alarme qui est assez puissante. On voit, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit HP qui est en dessous là. Je vais vous montrer ce que ça fait. Ici, j'ai rajouté deux petites mousses pour que quand je l'insère sur la moto ici, les mousses viennent en appui ici. Donc ça me permet d'absorber les vibrations éventuelles et puis d'éviter que ça abîme le bras ici. Donc l'intérêt de mon installation, eh bien, c'est tout simple. Ce bloc disque, je peux l'utiliser de manière classique, on va dire, le mettant sur mon disque avant. Mais je peux tout à fait également le laisser sur son support et enclencher l'alarme. Ce qui fait que si quelqu'un s'approche de la moto, enfin en tout cas, si quelqu'un manipule la moto, l'alarme va se déclencher. Alors oui, la roue n'est pas bloquée, on est d'accord, mais ça m'évite aussi quand même pas mal de manipulations si je vais faire une course
Je laisse la moto 5 minutes, je ne me sens pas toujours obligé de mettre un bloc disque à l'avant. Néanmoins, le fait d'avoir cette alarme sur la moto, si quelqu'un va s'approcher de la moto ou même monter dessus, l'alarme va sonner. Et ça me permet d'être averti tout de suite, sans être obligé de manipuler le bloc disque, forcément. Je vous montre comment je fais. Alors, j'ouvre mon cylindre, je positionne mon bloc disque. Donc j'ai possibilité juste de le verrouiller. Donc là, c'est pour le transport classique, on va dire. Si j'ai besoin de me balader, évidemment, je ne branche pas l'alarme. Si je souhaite donc enclencher l'alarme, c'est tout simple. Donc j'installe le bloc, je fais une pulsion, deuxième pression. On a un premier bip pour indiquer en fait que l'alarme va s'enclencher. Elle est pour l'instant pas enclenchée. Attention. Voilà, là, l'alarme est enclenchée. Donc à partir de là, la personne est avertie deux fois pour commencer, et ensuite l'alarme se déclenche si nécessaire. Donc je vais vous montrer. Premier avertissement. Voilà, et là ça sonne. Ah. Ok. Le bloc disque m'a coûté 79€ et la pâte une douzaine d'euros. Voilà, donc pour moins de 100€, j'ai une alarme sur la moto. Je vous mets le lien du produit dans la description. Ok. Au passage, n'oubliez pas de liker la vidéo hein, si ça vous a plu, comme d'habitude. Et puis abonnez-vous à ma page, hein, ça m'aidera. Et si vous souhaitez avoir toutes les notifications et voir toutes les vidéos, vous cliquez sur la petite cloche. Allez, à plus tard sur les gars.